Alors, on commence? Je vais y aller en première. Waouh! Le chocolat? Cool! What? Mais qu'est-ce qui n'a pas avec elle? Mais comment je suis censée la manger? C'est complètement fondu! Je t'en dis pas! Bingo. Oui, il faut penser à quelque chose de toute urgence. Je sais comment manger ma barre de chocolat. J'ai besoin de glace et de ciseaux. Oui, maintenant, je vais essayer un peu. Ouais! Si j'enverse un peu comme ça, oui, je vais le manger super bien. Et c'est vraiment super amusant de dessiner à part le chocolat. Oh, j'en barbe déjà. Je vais essayer. Génial! Marie, pourquoi t'es assise là? Vas-y, ouvre. Oh, oui, quoi? N'importe quoi! C'est le chocolat qui est glacé. Bon, voyons. Yummy! C'est appétissant. Mais c'est comme une pierre. Comment je vais la manger? Vas-y! Vas-y! Allez! Bon, je vais essayer de lécher comme un cône de glace. Non, mais tu vas le manger pour toujours. Heureusement que j'ai le chocolat liquide. Je vais faire vraiment n'importe quelle forme et je vais bien la manger. J'ouvre d'abord, non moi. Vas-y, tu commences. Une gaufre congelée? J'aime bien les gaufres, bien sûr, mais pas congelées. C'est dur comme la pierre. Et qu'est-ce que t'as? Voyons voir. Oui, c'est de la chance. J'ai une gaufre toute prête et savoureuse. Miam. J'ai hâte de manger tout ça. Oh, c'est trop chaud. Oh non, maman. Marie, tiens ma gaufre. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci. Mais comment je suis censée manger ma gaufre? J'ai une idée. C'est pour ne pas se salir. J'ai mangé avec une fourchette et un couteau. Et je vais bien souffler. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? Stupide gaufre congelée. Allez, allez. Oh ouais, peut-être qu'en petite bouchée, je pourrais la manger. Non, c'est encore dur. Bon, je vais pas la manger. Ok. Mia, ne sois pas triste. Mia, ne sois pas triste. Regarde, ma gaufre est suffisante pour deux. Vas-y, serre-toi. Alors, on ouvre ensemble, allez. Waouh. Un chocolat chaud avec de la marmelade. J'adore ça. Ouais, mais c'est vraiment froid. J'ai une idée. Je vais boire avec une paille. Oh my God. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Alors, j'ai vraiment du chocolat chaud. Ce n'est pas juste. Mon chocolat est si froid qu'il ne coule même pas. Et bon, j'ai bien le léché. Mais en fait, ça a bon goût. C'est comme la crème glacée. J'ai eu de la chance. Oh, je démarche mal au dos et sucré le chocolat. Oh, c'est chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais. Je vais prendre mes gants. Alors, ils ne vont rien sentir. Génial. Oh oui, c'est super bon. Vas-y, lèche tes glaçons. Oh. Pourquoi t'es la première? Allons-y ensemble. 3, 2, 1. Des nouilles. Yummy. Oh, c'est cool. Attendez, c'est congelé? Oh, j'arrive même pas à sortir les baguettes. Oh non. Oh, et pas de chance. De mon côté, je suis sur le point de prendre un délicieux goûter. Je manie les baguettes comme un ninja. Alors, essayons. Oh oui. Oh non. Ma bouche est en feu. Attention, je ne peux pas m'en empêcher. Je sais comment faire fondre mes nouilles. Donne-moi un peu d'aide, Mia. Oui, maintenant je peux aussi manger mes nouilles. Oh, cela semble devenir plus facile. Ces nouilles sont trop épicées. Merci d'avoir aidé. Maintenant, je vais prendre une bouchée aussi. Comme ça, appétissant. Oh, désolé. J'ai vraiment oublié des manières. Un combat de doigts, mon doigt qui passe en première. Tu ne peux pas me battre. Nous allons voir ça. Oui, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une sucette fondue. Et comment je suis censée manger ce truc? Okay. Bon, qu'est-ce que t'as? Oh, wow!
J'ai une sucette entière. Oui, je vais essayer. Non, ma langue. Alors, je sais comment faire pour Mia. Alors, c'est où? Génial. Mia, aide-moi, s'il te plaît. Ma langue. Vas-y, vas-y. Je vais le... Oui, j'ai réussi. Ta langue est en liberté, quoi? Non, je crois que j'ai fait trop d'efforts. Stupide blague. Bon, je vais m'occuper de ma sucette. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire des bulles. Cool. Je suis très douée pour cela. Et ces bulles sont tellement savoureuses. Je peux essayer? Eh ben non. Vas-y, pierre, papier, ciseaux. Oui, j'ai gagné. Hey, moi d'abord. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Des nuggets. J'adore. Oui, j'ai hâte de les goûter. Oh, tellement chaud. C'est mieux comme ça. Comme c'est bon. Génial. Come on. Vas-y, Mia. Bon. Des nuggets surgelés. Comment je vais le manger? Je peux même pas ouvrir le paquet. Allez, je vais t'aider. Okay. Oh, garde. Comme ça. Tiens. Oh my God. Tu n'aurais pas dû... Non, tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Bon, je vais essayer. Aïe. Ouais. Ils sont comme une pierre. Bingo. Ouais, mais je vais les juste... Ouais. J'ai un fer à repasser. Non, c'est pas vraiment fait à repasser, mais bon. Oui, génial. Oui, c'est pour les cheveux, mais c'est quand même cool. Oui, j'ai dans le génie. Oui, j'ai hâte de voir. C'est qui? Ouais, je l'ai ouvert en première. J'ai de la pizza. Non, ce n'est pas juste. Désolée. J'adore les pizzas. Elle est tellement appétissante. Génial. Maintenant, c'est ton tour. Bon, je suis pas sûre que c'est quelque chose de bon. Ouais, c'est pizza. Ouais, mais c'est congelé. Bon, je vais quand même la manger. Aïe, ça fait mal mes dents. Comment je vais la manger? Non, j'y arrive pas du tout. Je crois que j'ai une idée. Laisse-moi te donner un petit coup de pouce. Tiens. Mort. Et mâche. Marie, je pense que ça a marché. Merci. Oups. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Oh non. Mes dents. Stupide pizza en pire. Je sais ce qui va te remonter le moral. Tiens, serre-toi. Mais fais juste attention cette fois-ci. Les gars, vous êtes dans le challenge manger des aliments de la même couleur pendant 24 heures. Commençons. Par menton. Oh, ce sneaker géant en train de voler dans ma bouche. Ouais, mais il est trop énorme. Mesurons-le avec mon mètre ruban. Alors. Oui, il est vraiment trop gros. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais, va falloir couper quelque chose. Ouais, je vais tout couper en petits morceaux et ça soit plus facile à manger. Super. C'était cool. Ouais, maintenant je pourrais bien manger mon Snickers. Oh oui, c'est bon. Ça c'est à moi et ça c'est à moi. Voilà, j'ai terminé. Ok. Maintenant toi. Pas de problème. J'ai des chips de taille kit bleu. Je vais manger, délicieuse. Oh, wow. Non, c'est épicé mais très bon. Vas-y, je veux encore. Oh, ça me réveille. C'est tellement épicé. Oups, c'est vraiment trop épicé, un peu trop. Les gars, je peux pas en retenir. Non, si, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Oh non, je brûle. Je vais te sauver. Oh, voilà, j'ai éteint tout ça. Oh non, non, si, un peu. Je sais ce qu'il faut faire. Oui, j'ai un seau d'eau. J'espère que je vais l'aider. Oui,
Enfin! C'était horrible! Les saverrues taquises ne sont pas si inoffensives que ça! Mais maintenant, je suis toute mouillée, il faut que je me débarrasse de tout ça! Oui, maintenant, c'est tout autre chose, merci pour votre aide! Jill, maintenant, c'est toi! Oui, bonjour, mon Baboba! Ouais, quel énorme Baboba! C'est la première fois dans ma vie que je vois un si énorme! Oh, c'est parti tellement loin! D'accord, il va falloir qu'on le mange bientôt! Oh oui, c'est tellement bon! Je peux pas m'arrêter! Oh wow! Comment t'avais pour mettre autant de choses en toi? J'adore les chewing-gums, alors je suis prête à manger une quantité infinie! Alors, vous êtes prêts? Vous allez voir la plus grosse bulle de votre vie! Jill, peut-être tu vas t'arrêter! C'est un peu trop! Oups! Je suis désolée! Je ne voulais pas que ça sorte comme ça! Je dois enlever le reste de mon chewing-gum! Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec mon nez? Il est rose? Les gars! Et vous, vous avez un noir et bleu! Apparemment, c'est un effet secondaire de manger la même couleur! Ouais, ce n'est pas pour toujours! Et voilà, un nouvel truc! Martin a un burger noir, Nancy a une grande glace bleue et Jill a un gros beignet rose! Tout cela a l'air délicieux! Alors, qui commence, Jill? Bon appétit! Maintenant, je vais m'occuper rapidement de ce délice! Couteau et fourchette à portée de main! Comment c'est appétissant! Oh, très bien! Oh, croyez-moi, c'est super bon! Je suis si heureuse que tout cela soit pour moi! Génial! Eh bien, j'ai terminé! Alors, vous pouvez commencer vos repas! Non, si je peux! Ouais! Merci, j'ai tellement faim, je pourrais manger un éléphant! Mais je n'aurais fini en rien de temps! Mais avant cela, je vais mettre des gants! Oh, Jill, je suis désolée, je ne voulais vraiment pas! Comme ça, je vais en mettre... C'est fait! Par quel côté je vais commencer? Peut-être les trop grands! Il faut que je divise un morceau! Vous pensez que je bois du café? Ben non! Cette tasse m'aidera à couper un petit morceau de cet énorme burger. J'essaye. Oh oui, c'est très bon et très pratique. Maintenant, je veux faire beaucoup de mini burgers. Génial. Voilà, c'est tout. Oups. Il y en a sur ma tête. Voilà, c'est tout. J'ai terminé. Non, si tu peux finir ce tour avec ta glace. D'accord. Voilà les temps pour ma cuillère. Même si une cuillère est un peu vraiment petite. Il faut que je trouve quelque chose. Peut-être ça, c'est parfait. Oh, non, je l'ai sous contrôle, je tombe. Cette couleur. Non, mais toute glace est sur le sol. Oh, c'est bon! Oh, merci, Martin! Thank you! Martin, tes oreilles sont noires! Pour toi, c'est bleu! Jill, tes oreilles sont roses! C'est cool! Hey! Les filles, vous roulez en tour? Il y a un doigt! Il n'y a pas de doigt! Ouais, il y en a, il n'y en a pas! Oh, mon doigt! Reviens! Ouais, je suis de retour! Ils nous ont donné un nouvel aliment de la même couleur! Oh oui, génial! Un cupcake noir! Et moi, j'ai un macaron rose. C'est très lourd, mais je vais le soulever. Oui. Oh non, je tombe. Tiens-toi. Oh, merci. Alors, je vais le manger. Mais je sais pas par où commencer. Je sais. Alors, je me transforme en Jill qui fait du karaté. Maintenant, regardez bien. Kia! C'est fait. Merci, les amis. Et maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Mmh, comme c'est délicieux. Je ne savais pas que tu voulais tellement des sucreries. Je dois garder tout ce pouvoir en moi. D'une manière ou d'une autre. Kia, ce macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Je ne peux pas m'arrêter. Voilà, c'est tout. J'en ai terminé. Et je me retourne en Jill. Martin, maintenant, toi. Oui, je commence déjà à avoir faim. Pensons par la crème. Alors? C'est cool, c'est vraiment délicieux. Les filles préparent quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer après quoi, Zor? Oh, Martin!
On dirait que t'as des problèmes. Est-ce que ton visage est déjà coloré en noir? Ou est-ce que c'est de la crème? Ce n'est pas drôle du tout. Je suis tout seul maintenant, le cupcake est vicieux. La crème qu'il contient est tout de même très savoureuse. Nice. Je ne la partagerai pas avec vous. Ok. Oh, je vais m'occuper des baguettes en attendant. Oh, c'est tellement dur. Peut-être comme ça? Non. Et comme ça? Eh bien bon, je vais commencer avec une manière. Et comme ça? Oh non, ça a tombé! Oh, j'en ai pas besoin en fait. C'est plus pratique de manger avec les mains. Oh oui, c'est très bon. Tu vas te lécher les doigts. Martin, t'as la crème ici. Oh, super. Thank you. Mon Dieu. Salut. Vous aimez bien mes nouveaux yeux? Tellement drôle. Il reste le dernier œil et voilà. Maintenant, la marmelade. Et puis l'œil. Oh oui. Non, mais tout est bleu. Tout est noir. Et tout est rose pour moi. Jill a eu la pizza rose. Martin a eu des pâtes noires ou des nouilles noires. Et Nancy a des crêpes, sont mignonnes. Alors, on goûte. Moi, j'adore. Il y a des myrtilles. J'adore les myrtilles. C'est tellement délicieux. Vous voulez des myrtilles? D'accord. Jill, tu l'as? Miam. Martin, attrape. Tu l'as pas attrapé. Maintenant, c'est moi qui l'attrape. Très bon. J'en prends une autre crêpe. Regardez comment je peux faire. Tout le monde sourit. Hein? Voilà le dernier. Ouais. Non, mais je l'ai attrapé. Maintenant, je vais vous montrer. Non, mais arrêtez. Oh, désolé. Non, mais pourquoi tu rigoles? Je peux vraiment commencer à manger mes nouilles noires. J'ai commencé. C'est bon. J'ai tellement faim que je suis prêt à manger tout d'un coup. Comme ça. C'est encore mieux. Oui, les nouilles les plus délicieuses que j'ai jamais mangées de ma vie. Oh, quelle vitesse! Et comment il fait pour tout faire tenir en lui? C'était la chose la plus facile à faire. Bon, j'ai terminé. Alors, Jill, elle peut commencer. Ah oui. Alors, il faut que j'invente quelque chose d'intéressant. Ah, c'est vrai, j'ai une idée. Je vais couper ma pizza, mais pas comme d'habitude, mais comme ça. Oui, personne n'en a jamais fait. Hein? Oui, ça va être comme ma recette signature. Maintenant, je goûte. Comme elle est bonne et sucrée. Non, la pizza avec des marshmallows, c'est vraiment génial. Oui, en fait, si je coupais la pizza d'une telle manière, je l'ai finie très rapidement. Oh, regardez, mes mains sont roses. Génial. Non, mais regarde, nos bras sont vraiment colorés. Les gars, il y a de nouveaux aliments délicieux qui vous attendent. J'ai un énorme paquet de poké à la fraise et maintenant une bouteille de coca. Et Nancy a les bonhommes en guimauve. Tout a l'air super cool. Nancy, tu commences? Oh, je n'ai jamais goûté cela. C'est bon et vraiment acide. Alors, je vais les mettre sur la table, je vais en manger beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et le dernier? Ouais, c'est tellement acide. Jill, tu peux continuer? Super. Oui, des pokés avec des fraises aussi, mes préférés. Je ne peux pas m'arrêter. Et en fait, ça vaut la peine d'ajouter un petit sirop de fraise. Oui, comme ça. Oui, comme c'est délicieux. Je n'en peux plus. Ah, j'ai tout terminé. C'était dimanche. Maintenant, il ne reste plus que toi. Ouais, je suis sur le point de boire cette énorme bouteille de coca. Wow, c'est donc un bonbon liquide. C'est trop cool. C'est très sucré. Vraiment le goût de coca. Jill, on se fait une farce, Martin? Ouais. Alors? Et les filles, ça suffit. J'en ai assez. Non, mais arrêtez. Ouais. Maintenant, j'ai compris. Martin, t'es tout noir. Et toi, t'es toute rose. Non, si, toi, t'es devenue bleue.
Moi, elle est où? Gilles? Oui, tout le monde disparaît. Salut Nancy. Et voilà Gilles. Et maintenant, elle est là aussi. Alors, comment vous allez faire? Dans mon petit armoire pharmacie de médicaments, tu colores qu'il faut. Voilà. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh wow, regarde, on est normand. Cool! Félicitations, on a réussi ce challenge. Je commence. Alors? Oh, le baboba bleu. C'est trop cool. Et toi, qu'est-ce que t'as? Et moi, j'ai quelque chose de délicieux. Oh non! What? C'est une sucette au cafard, c'est horrible. Comment je vais pouvoir manger ça? Ah, quelqu'un n'a pas de chance. Laisse-moi tranquille, Jane. Je peux me débrouiller sans toi. Oh! C'est une sucette très savoureuse, mais avec un méchant cafard à l'intérieur. Il suffit de manger la coquille et de laisser le cafard sur la baguette. Ouais, il est bizarre. Cool. Moi, j'ai un délicieux baboba. Comme c'est bon! La nourriture bleue est plus cool. Oh non, j'ai mangé toutes les sucettes et je n'ai pas remarqué. Oh, j'ai un cafard. Olivia, arrête de crier, t'as mangé le cafard. Et moi, j'ai un très bon chewing-gum. Tu m'empêches d'en profiter. Oh non, Jane, t'as un cafard dans ta bulle. Quoi? Oh non, pourquoi un cafard serait-il dans ma bulle et si tu l'as mangé? Je suis couverte de chewing-gum. Oh non, le cafard est sur moi. Enlève-le, enlève-le. Non, Olivia, arrête de rire, fais quelque chose. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche, Olivia? T'as tout gâché? Je voulais deviner. Oh non, mais regarde, ça me va bien. J'ai une monde de parole, plus d'action, dépêche-toi de manger. Bon, mais moi aussi, j'ai des paillettes de couleur. Cool. Goûte au monde, non, c'est de soeur. Ah, comme c'est bon. J'adore ça. Waouh. Il y a aussi de la délicieuse limonade ici. Génial. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouvre ta cloche. Oh, d'accord, j'ai une sorte de délicieuse. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis sûre qu'il y a encore très savoureux. Oh, c'est vraiment, vraiment bon. Mangeons tout. Nice. Oh non, Jane, aide-moi. Je m'étouffe. L'ambulance de Jane est en route pour toi, ma copine. Alors, ça va? Oui, merci de m'avoir sauvée. Qu'est-ce que t'as là? Alors, on va le découvrir. Oh, ce sont des menthes, c'est cool. Oh, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir? Est-ce que ça va être aussi bon que pour moi? Vas-y, regarde. Ok. Oh, wow, ça y est vraiment cool. C'est un casque Panta. Wow, je me demande quel est le goût. J'adore. Oui, ça va directement dans ma bouche. C'est au goût de fraise. Oh, je peux en avoir? Non. Mais d'accord. Mais j'ai une surprise pour toi. Je pense que ton soda ne contient pas assez de gaz. Ajoutons-en un peu. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout est dans la bouche? Je ne peux pas me retenir, Olivia. T'as mis quelque chose dans ma bouche? Je suis toute mouillée et sale. Mais c'était une très jolie fontaine. Ou en même temps. Wow! J'ai une délicieuse gâterie, et toi? C'est de la confiture de cerise et du papier rose comestible. Jane, t'as eu le même, mais il est bleu. C'est trop cool. Wow, c'est tellement bon. Oh, génial. Jane, est-ce que c'est vraiment comestible? Wow, la mienne est aromatisée à la fraise. Faut que je trouve quelque chose d'intéressant. Je trempais tous les miens dans de la confiture sucrée et roulais le tout après. J'ai enlevé le sucré à la fraise et à la cerise. Il faut que je l'essaie. En fait, c'est pas mal. Wow, c'est cool. Je pourrais faire ça aussi. Je dessinais un chaton sur mon papier avec de la confiture. Comme ça. Wow, il est tellement mignon. Il faut que je l'essaye. Voilà, je l'enroule. Oh, comme il est bon. J'adore. Mon papier est délicieux, n'est plus là. Wow, j'ai une idée géniale. Je vais prendre une des feuilles. Non, mais arrête. Jouons à un jeu. Celui qui gagnera pourra manger du papier avec des sortes de confiture en même temps. Come on. Oh, j'adore le jeu de mon pion. Voilà, je mets 0. Oh, t'as mis 2 jeux. J'abandonne pas si facilement. Et c'est comme ça? J'ai gagné.
Je peux manger le papier délicieux et tout le reste. Non, mais pourquoi le reste? Je vais ouvrir. Waouh! Voilà, je vais goûter le jus. Ou je vais juste appuyer. Oh, j'ai encore quelque chose de bon. Oui, c'est vrai. C'est très bon. Voilà, je vais mettre tout cela dans le verre. Et je vais essayer. Oh, est-ce que ça va être bon? Awesome. Ou peut-être ça va être mieux. Très bon. Olivia? Ah ouh, réveille-toi. C'est la vraie vie. Ouvre la cloche. Waouh, comme c'est délicieux. C'est une baignoire rose, mais avec quoi? Waouh, c'est du pétillant. Ça a l'air génial. Maintenant, nous allons remplir toute la baignoire. Mais qu'est-ce qu'un bon sang? C'est vrai, Jane a du jus de fruits. Jane, tu peux partager le jus pour mon fils? Oui, merci. Voyons ce qui se passe. Waouh, ça mousse tellement bien. C'est comme un vrai bon moussant. Vas-y, goûte. Oh, c'est génial. Merci d'avoir partagé avec moi. Je peux avoir du pétillon? Merci, Olivia. Je me demande quel goût ça aura. Nice. Waouh, c'est tellement pétillant. Génial. Il faut que je prenne tout de suite un verre de marmelade, c'est délicieux. Et très drôle. Jouange. Tant mieux. D'accord. Alors je l'ouvrirai en première. Waouh, ce sont des bonbons juicy drop avec de la confiture acidulée. C'est trop cool. Faut que je les égoutte tous. Les bonbons sont délicieux, mais la confiture, découvrons-le. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lire? C'est bon ça. C'est acide. Je vais faire quelque chose de cool. Voilà. Pour toutes les couches. Et je vais goûter. Oh, tellement sucré. Et acide. Mais j'aime beaucoup en fait. Nice. Jean, vas-y, qu'est-ce que t'as? Et moi? Waouh. C'est un bonbon nerd. J'adore. C'est bleu et c'est tellement bon. Jean le mange si bien. Mais peut-être ajouter un peu d'écran. Nous allons maintenant mettre de la confiture sur ces bonbons. Elle va se tortiller tellement. Oh, pourquoi c'est devenu si aigre? Olivia, c'est toi qui as fait ça. Ah, t'as mis ta confiture ici, tu vois. Cool. On joue sur nos doigts? Oui. Celle qui gagne, ouvre en première. Je vais te battre. La victoire est à moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Ce sont les Chupa Chups avec des toilettes. Ils sont délicieux et tellement jolis. Le bleu est une si jolie couleur après tout. Oh, il y a du sucre en poudre là-dedans. J'ai trempé un Chupa Chups dans la poudre, je vais le goûter. Oh, la poudre est si acide. Mais la citrine reste sucrée. Oh, waouh, c'est trop cool. J'en veux aussi. Je peux goûter? Et alors? Oh, waouh! C'est une bague? Je vais goûter. J'adore! Ça me va très bien. Oh, mon diamant! Est-ce qu'il est beau? Awesome! Oh, génial! Waouh! Est-ce qu'ils vont être aussi bons? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi! Je vais essayer, je vais te le dire. Je vais mettre de la confiture sur ma bague. Oh, c'est acide! Mais c'est cool. Moi aussi, j'en veux. Je peux en goûter? Moi, j'ai une idée. Oh, on mélange. Oui, on fait ça. Oui, on va tout tremper dans ta poudre. Ça doit être tellement acide, mais super bon. Oh, mon Dieu. C'est vraiment très, très acide. Mais je peux pas m'arrêter. C'est bon. Oui, c'était une bonne idée. C'est une sacrée crème glacée. J'en veux un aussi. C'est qui d'autre est là-bas? Bonjour, ma belle. Ça va? Quel bel homme! Est-ce que t'es congelée, là? Sympa! Je pense que c'est l'excuse parfaite pour avoir ta crème glacée. Honte à toi, c'est à moi! Waouh! Et toute la crème glacée à moi! Sympa! Donc c'est mal de voler celui d'un autre. C'est mauvais, mais c'est délicieux. Qui a fait ça? Pourquoi vous êtes de tels voleurs? Essayez juste de lui voler toute autre chose.
Je propose que nous découvrions ce qu'il y a à l'intérieur dès que possible. Totalement d'accord. C'est tout? Un seul biscuit pour nous trois? Oui, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Oh, je crois que je sais. Il est temps de tirer les cartes. Je ne vais même pas essayer le biscuit. Pas de chance. Sauf si je vais vite. Non! Non, tu ne toucheras pas notre biscuit. Maintenant, je tire la carte. Je peux le mordre. Eh bien, cela signifie que je vais devoir le lécher. Et je voulais manger. C'est bon, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Bien que j'ai une idée. Samantha, et si je commençais? Vas-y. Tu ne peux pas manger de toute façon. Je mangerai peut-être pas, mais je lécherai la meilleure partie. La farce blanche. Quoi? Tu n'as pas laissé pour moi? T'inquiète pas, j'ai préparé de la bave juste pour toi. Voilà, profite de ton appétit. J'ai une bonne bave d'ailleurs. Hey you! Quel cauchemar! C'est tellement dégoûtant! Oh, j'ai l'impression d'avoir été léché dans la bouche par un chien! Hé, hey, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est dégoûtant! Il est temps d'ouvrir. Je peux le faire cette fois-ci. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh oh, je pense que c'est un cactus. Peut-être que ça sera chocolaté. Il faut le vérifier. Non, non, c'est pas vrai. C'est réel. C'est terrible, c'est une aiguille. Je sais comment je peux t'aider. Il se trouve que j'ai quelques pansements qui traînent. C'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Merci, Jack, dame et gentleman. On dirait qu'il est temps de tirer les cartes. Oui, bien, pas encore. Yeah, j'ai gagné! Vous ne toucherez pas! Oh, je vais devoir le lécher. Et je dois le mordre, c'est affreux! Oui, pas de chance. Surtout en étant le premier. Moi, pourquoi moi? Non, tu commences. Arrêtez. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Arrêtez. Pourquoi ne pas régler la question d'une manière plus simple? Pierre, papier, ciseaux. C'est une bonne idée. Pierre, papier, ciseaux. Ah, je pense que je gagne. Alors, Jacques, tu seras le premier à lécher cette horreur. Au moins, c'est juste. Oh, ça fait vraiment mal, aïe. Pauvre Jacques. Oh, allez, c'est juste une blague. La langue n'est pas vraiment réelle. Stupide blague. Maintenant, tu dois lécher le cactus pour de vrai. Hein. C'est bon. D'accord. Je vais pas prendre le risque. J'ai une idée pour rendre un cactus complètement inoffensif. Comme ça, ça ne sera pas du tout piquant. Oh, arrête, fais attention. Ça vole toujours droit sur nous. Je suis couverte d'aiguilles. Arrêtez, ne râlez pas. Au moins maintenant, je peux lécher le cactus en paix. Et Amber peut le mordre. D'accord, je vais essayer. Je suis pas impliquée, mais je suis toujours couverte d'aiguilles. Oh, même un cactus rasé a un goût dégoûtant. Oh, c'est juste dégoûtant. Pourquoi moi encore? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh oh, c'est pas moi. Poupou. C'est toi, elle, Amber. C'est quoi cette odeur? Je pense que l'odeur vient sous le couvercle. Il faut découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ouah, c'est ce dont j'avais peur, c'est un poisson. Oh, horrible. Méchant poisson. Mais les cartes n'ont pas été annulées. Oh non, je vais devoir le lécher. Bingo. Yeah, je ne fais rien du tout, je suis chanceuse. Qu'est-ce que c'était? Oh, arrête. Ok. Alors je dois mordre ça? Eh bien non, je suis pas d'accord. Vas-y. C'est difficile que je pensais. J'ai peur. Mais je dois le faire. Encore une minute. On va pas t'attendre. Je vais t'aider. C'est vrai, c'est vraiment plus rapide. Horrible. Comment tu oses? Je vais t'attraper. Ici, mange ton poisson.
T'as fait quoi? Je n'étais pas prête. Je vais être malade. Oh, ça pue. Mais ce n'est pas tout. Il te reste un demi-poisson entier. Lâche-moi. Oh, tu me fais mal. Pourquoi tu fais cela? Eh bien, bro, c'est parti. C'est un énorme gâteau. J'ai déjà envie de le manger. Mais pas encore. L'écart d'abord. C'est prêt maintenant. Okay. Génial. Je peux lécher n'importe quoi. Oui, je vais manger. Il n'y a rien que je puisse faire. Et pourquoi je devrais souffrir? Je peux aussi goûter le gâteau. Oh, c'est délicieux. Je pourrais manger ce gâteau pour toujours. Ne me touche pas. Ce n'est pas ton gâteau. Arrêtez. Vous pouvez bien partager. Parce que nous n'avons pas assez. Tu veux bien t'arrêter? En fait, c'est aussi mon gâteau. C'est vraiment bon. Arrête. Il faut partager. What? Mais qu'est-ce que tu... Oh, encore du gâteau sur le nez. Génial. T'avais raison. Le gâteau est génial. Hé, hey Samantha, pourquoi ne partages-tu pas avec nous? Quoi de plus? C'est mon gâteau. Ah ouais? Alors tiens ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais te... C'est ça. Je vais t'attraper. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Hé! Hey. Ah ah. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ça te va bien. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oups, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. C'est juste horrible, hein? C'est dégoûtant. Quel cauchemar. Please. Et moi, je mange ça. Et moi? Okay. D'accord, le chien ne serait pas si difficile si tu tiens le nez. Ce n'est pas si effrayant. Ici, t'enlèves le pince à linge. Oh, c'est dégoûtant. Mais non, ma protection. Maintenant, toi. Oh non. Okay. Je ne peux pas faire ça. C'est dégoûtant. Oh, mais il faut. Pourquoi est-ce que c'est moi qui a de la malchance? Oh non. Comme c'est désagréable. Un vent de l'air frais. Raconte-moi. Tu n'es pas encore heureuse, je me sens pas très bien. Oh non, il y a encore cette puanteur. Aidez-moi. Je suis en train de tomber, sauvez-moi. Oups. Ce n'est pas ma faute. Jetons un coup d'œil ensemble. Cool, Babouba. Oui, il ne reste plus qu'à tirer les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est parti, je ne pourrai même pas manger. Ok. Je peux mâcher en chewing-gum. C'est cool, non? Allez, chier. Le chewing-gum doit être mâché. Tiens, attrape, tu commences. Cool. J'espère que le goût est vraiment bon. Essayons avec la langue. Bingo. Bien que, quel est le problème? Je peux tout lécher. What? Le goût sera meilleur comme ça. Tu vas tout gâcher. Peut-être que c'est suffisant. Donne-le-moi. Voilà, maintenant, elle se bat dessus. Au moins, c'était bon pour moi. Non, je le mangerai pas. C'est dégoûtant. Ah. Oh non. Pourquoi moi? Oh non. Personne va le manger après moi.
Moi, je n'ai jamais vu une sucette aussi grosse et méchante. La mienne est aussi vraiment horrible, mais au moins, c'est pas aussi gros. Les filles, nous n'avons pas eu de chance cette fois-ci. Mais Candy a été la plus malchanceuse. C'est vrai. Mais au moins, tu dois manger la sucette en première, parce que c'est toi qui as le plus petit. Essayons. J'espère que je vais pas vomir. Je savais pas que c'était aussi bon. Oh, je pense que la mouche a pris vie. Oh, c'est vraiment dégoûtant. J'avais une mouche vivante dans la bouche. Polly, c'est à toi. C'est ce dont j'avais peur. J'espère que ce scorpion ne me piquera pas. Mais la sucette a bon goût. J'ai hâte de te manger. Oh, il semble que j'ai oublié la surprise qu'il y a à l'intérieur. C'est un vrai scorpion. Oh non, elle m'a piqué dans le nez. Ça fait tellement mal, mon mauvais nez. Oh, mon pauvre nez. Oh, vous rigolez, vous. Candy. Non, mais vas-y pour toi. Pourquoi? Non, mais les poissons ne me piquent pas, c'est juste dégoûtant. Vous avez raison, la sucette a vraiment bon goût. Awesome. Oh, man. J'ai une idée. Vas-y, tranquillement, on joue. Polly, vas-y, réveille-toi. Candy a presque terminé. Pourquoi est-ce que je perds autant de temps avec ça? Il existe un excellent moyen de faire descendre cette sucette beaucoup plus rapidement. Attention! Bon, maintenant c'est fait. Bon, les filles, vous n'aurez pas à m'attendre longtemps. Bon, c'est bon. Oui, génial. Il m'en reste encore. Et le poisson? Non, j'espérais que vous allez oublier. C'est tellement dégoûtant. Oh, ça pue. Oh non, sa queue. Candy. Oh, c'est pas drôle du tout. Non, je vais la manger. Oups, je crois que c'était trop vite. Non, j'ai pas vomir. Bon, tu dois la manger. Je sais comment le faire vite. Oh, c'est fait. Bon, ça fait mal. Bon, la prochaine fois, fais attention. Oups. Qu'est-ce pour ouvrir le couvercle en première cette fois-ci? J'adore Twix. J'adore. Génial. J'aime aussi cette barre de chocolat, mais pourquoi c'est si petite? Pas de chance pour moi. Awesome. Come on. Mais regardez quel géant j'ai eu. C'est ce que j'appelle une barre chocolatée. Zara, mais tu vas d'abord manger. J'aimerais beaucoup. J'espère que ma barre de chocolat est au moins la plus savoureuse. La manger avec mes mains est déjà assez difficile, alors je le ferai avec une pince à épiler. Je vais essayer. Pas mal. Génial, super bon. Oui, génial. Alors, maintenant je vais manger mes Twix. Oui, c'est tellement grand. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais vraiment mordre aussi rapidement. C'est génial. J'ai mangé toute ma barre. Non, mais attention. N'importe quoi. Oui. Bon, est-ce que c'est mauvais? Non, je suis vraiment fatiguée. Moi, je voudrais que tu finisses la deuxième partie. Ah, je vais essayer. Je connais un moyen de manger quelque chose très rapidement. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ça a marché. J'avais juste besoin d'aide. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon cou? Je te sens pas mal, ça te va bien. Maintenant, c'est à mon tour de manger des chocolats. Mais d'abord, je vais les utiliser pour faire une farce à Lila. Je me demande si je ressemble à un vampire avec ces coques. Oui, mais pourquoi les coques sont-ils bruns? Moi, j'ai remonté le moral de tout le monde. Maintenant, tu peux avoir des chocolats. Oh, miam. Il n'y a rien de plus cool qu'une barre Twix. Il ne reste plus qu'à te lécher les doigts. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? C'est tout? Oh non, mais les œufs de pastèque ne sont même pas consommés. Ouais, moi, j'ai une vraie pastèque. Je te donne pas qui de cette pastèque. Et j'ai la pastèque entière. Mais l'honneur de manger un premier, je suis d'accord pour le donner à Polly. C'est vrai, parce que je suis la plus affamée ici. Comme c'est bon.
Quelle pastèque juteuse et sucrée! Je vais bien le terminer! Comme c'est bon! Mais où le maître Tootinos? Hé, là, aide-moi! Bon? Polly! Non, mais ça a percé la coquille de ma pastèque! Et maintenant, je sais ce qu'il y a, un tas de bonbons colorés à l'intérieur! Génial! De plus, les bonbons sont délicieux! Alors, qu'est-ce que vous retient? Je dois manger tous les bonbons en même temps! Génial! Quelque chose me dit que l'écorce de cette pastèque est tout aussi savoureuse que son intérieur! C'est vrai? Je suis tout simplement ravie! Quelle chance pour moi! Les fiches sont tellement pleines! Eh bien, Zara, c'est l'heure de l'os! Manger un noyau de pastèque, c'est bizarre, ça n'a pas du tout le même goût. Moi, je sais que tu peux faire avec. Pourquoi ne pas faire pousser ma propre vraie pastèque? La grand-mère m'a appris à prendre soin des plantes correctement. Zara, prends soin de toi. Tu as renversé la terre sur toute la table. Aïe! Oh, ça m'est même retrouvé dans nos bouches. Oui, j'ai mis un trou. Et maintenant, je l'enterre. Ensuite, je la rassemble. Voilà, juste comme ça. Tout ce que tu dois faire est d'attendre alors. Awesome! Vas-y. Comme tout s'est passé vite. Wow. Je ne crois pas qu'elle ait réussi. La pastèque est grandie. Il est maintenant temps de diviser un morceau pour que tu puisses engloutir chaque moitié. Je peux enfin profiter d'une pastèque fraîche, sucrée et juteuse. Ah oui! C'est tellement drôle quand tu manges! Mais t'as fait un excellent travail! Woohoo! Quelle belle table pour la fête! C'est exactement ce que je voulais pour mon anniversaire. What? Oh, il y a quelqu'un ici! Je vais ouvrir la porte. Je me demande qui c'est. Bonjour, des fleurs pour vous. Quelle beauté! C'est beaucoup de sucreries! Elle ne peut pas m'en passer! Wow, il y a même une fontaine à chocolat! Je vais essayer d'y tromper du popcorn et des marshmallows! C'est incroyablement bon! Il faut essayer autre chose tout de suite! J'aime tellement le chocolat! Je mettrai des fleurs dans une vase avant que les invités arrivent! C'est ça? Super! Oui, un biscuit! Yummy. Jennifer, qu'est-ce que tu crois faire? La fête n'a pas encore commencé et t'as déjà tout mangé. Désolée, Mia, mais je peux pas attendre. Cette fontaine est si délicieuse. Pas du tout. Cette fontaine doit être sur ma table. Oh non! Oh my God! T'as ruiné ma tenue et renversé la fontaine. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Fais attention. Voyons qui est qui. Je suis sûre que je vais te faire dans ce challenge. Je ne pense pas. Je suis déterminée. Je vais être difficile à battre. Les fraises fraîches sont super! Eh bien, voilà. Tout commence par malchance. Je ne dirai pas ça. J'ai obtenu des fraises savoureuses et mûres. Et le chocolat les rendra encore plus délicieux. Je suis ravie de pouvoir m'en assurer. T'en veux, Mia? Pourquoi tu me taquines, Jennifer? C'est tellement injuste. Je voulais juste te taquiner un peu. Les fraises sont à moi et à moi seul. Oh, c'est si juteux. Oui, c'est parfait avec le chocolat. Arrête de lancer. Je n'aime pas ça. Eh oui. Non, mais c'est sorti par accident. J'ai pensé à quelque chose. Tu me taquines encore. Eh non. Je vais aller juste te montrer quelque chose. Oui, c'est génial, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Et maintenant, ça va être un tour. Je vais attraper toutes les baies couvertes de chocolat. C'est parti, souhaite-moi bonne chance, Mia. Oh non, quelque chose a mal tourné. Tout a mal tourné. Oh, j'ai reçu du chocolat partout sur moi et j'ai perdu mes fraises. Tu l'as mérité. C'est ta propre faute. Voyons comment tu t'en sors avec tes piments. Je pense que manger, c'est beaucoup plus difficile que d'attraper des fraises recouvertes de chocolat. Je suis pas sûre d'aimer ça. Mais je n'ai pas à choisir. J'ai entendu dire que parfois le piment est ajouté au chocolat. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment dégoûtant. Mais je peux le supporter. Tu verras.
Mia, t'es toute rouge! Parce que je brûle! Oh non, aidez-moi! Je suis en feu! Qu'est-ce que je dois faire? Je panique! Tu aurais pu simplement me donner un verre d'eau. Oh, je dois boire un peu du chocolat. Oh, c'est beaucoup mieux. Et moi? Non, je me sens un peu froissée. J'aimerais me reposer. Non, pas ça! Ça a brûlé mes fraises! Désolée, c'est sorti par accident. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a sous ces couvercles. J'ai des Skittles, je suis si heureuse d'avoir vu ça. Oui, et qu'est-ce que t'as, toi? Découvrons-le. Mon Dieu, c'est du poisson cru! C'est dégoûtant! Ça pue! Alors mange tout de suite! Oh non! C'est la pire chose que j'ai jamais vue! Voyons comment tu gères la situation, si tu peux la gérer à du tout. Pas besoin de me piquer dans le nez avec ton poisson. Oui, t'es très gentille. Oh! Pourquoi tu me fais peur? Oups! Quelle coup sûr! Vas-y, prends ton poisson. Ok. Oui, t'as raison. Il faut bien terminer cela. Oui, c'est tout. J'ai réussi. Oui, la vue est horrible. Je suis content que ce soit terminé. Elle est temps de s'attaquer aux Skittles. J'ai pensé à quelque chose. Il est grand temps que je mette mon plan en exécution. Je peux utiliser une cuillère pour prendre des bonbons et verser du chocolat dessus. Je pense que ça sera très pratique. Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Ne te mets pas dans le chemin, Jennifer. Ne, tu vois pas que je suis occupée à mettre mon plan génial en action. Je vais enfin pouvoir essayer les Skittles recouverts de chocolat. Mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est vrai. Je dois l'essayer aussi. Yummy! Maintenant, remets mes bonbons à leur place! Radine, tu n'as pas un bonbon pour ton ami? Regarde, nous avons laissé tomber les Skittles dans la fontaine! C'est pour le mieux! C'est devenu très bon! Comme c'est bon! Je vais l'essayer après tout! Et non, et encore non, je t'ai déjà dit! Je m'en souviendrai encore! Oui, mettons-nous au travail, enlevons les couvercles! Quel délicieux burger! Il n'y a pas de limite à mon bonheur! Et toi? Mon gâteau énorme est follement beau! Cette crème m'attire tellement! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche plus jamais mon gâteau avec tes mains sales! T'as intérêt à manger ton burger! T'as raison, j'ai quelque chose à faire! Je vais verser du chocolat dessus et faire un essai! Je suis vraiment curieuse de savoir ce que cela va donner! Je n'ai jamais mangé de burger recouvert de chocolat! Et non, je n'aurais pas dû le faire. Non mais n'importe quoi, c'était clair que c'était pas comestible. Je sais comment réparer cela. Je dois juste manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Concombre, tomate, laitue, escalope et sauce seront mon plat principal. Et une brioche recouverte de chocolat sera mon dessert. Ah oui, j'ai presque oublié mon fromage. Il faut aussi le manger avant ça. C'est vraiment bon sans le chocolat. Regarde la viande! J'adore! Au fait, j'ai bien mangé! Et c'est l'heure du dessert! Non mais fini bientôt! Sois patiente un peu, j'ai presque tout mangé! Bon, il reste qu'une brioche! Comme je l'avais prévu, il est temps de lui donner un bain dans la fontaine! Ça sera comme un gâteau ou un sandwich! Ça a l'air et ça sent très bon! Oh, comme c'est bon! Mon plan a fonctionné! Oh, je suis si bonne! C'est ça? Oui, je suis si heureuse que tu l'aies terminé. Maintenant, je peux goûter mon gâteau. Mais comment le prendre? Je sais, je dois couper un morceau. Ça serait tellement plus facile de le plonger dans la fontaine. Je suis plutôt douée. Juste besoin d'accélérer un peu. Viens ici! Il est temps de prendre une douche au chocolat. Je suis sûre que je vais faire une vraie bombe sucrée. Et ça ne peut pas être autrement. Ça a l'air délicieux. Il est temps de goûter. J'adore. Donne-moi à goûter, s'il te plaît. Nous sommes des amis, tu te souviens? Cela ne change rien, non. Ah oui? Je vais devoir donner une leçon à cette fille gourmande.
Elle ne partage jamais avec moi. Je vais ajouter du tabasco dans la fontaine et voir comment elle parle après ça. Je suis sûre qu'elle n'aimera pas le goût. Maintenant, je vais juste attendre. Je veux plus. C'était vraiment bon. C'est impossible de s'arrêter. T'aimes vraiment? Tu demandes encore, bien sûr que oui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Toute ma bouche est en feu, j'ai besoin de mettre du chocolat dans mon épistotite. Ah, je ne vais pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de brûler de plus en plus de choses chaque minute. Aidez-moi. Eh bien, elle a bu trop de chocolat au tabasco. Non, mais il faut l'éteindre. Oh non, il n'y avait pas d'autre solution. Mais cela n'a pas d'importance. L'important est que je me sente mieux. Oh, combien d'yeux de marmelade! On avait beaucoup, hein, et j'en ai qu'un seul œil en gelée. Et ce n'est pas drôle du tout, hein. Pas drôle, tiens! Oh, quoique... C'est quand même délicieux. Je pense que Mila était bouleversée. Je pense qu'elle sera amusée par ma farce. J'espère qu'elle ne trouve pas cela trop cruel. Mais je trouve que c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce que j'ai fait! Ça fait tellement mal! Oh non, j'ai plus d'œil! Quoi? Quelle horreur! Non! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je m'étouffe! Mila, à cause de toi, elle a souffert! Non, elle ne peut pas respirer! Comme c'est bon! Pourquoi c'est l'œil? Quelle horreur! Après une farce folle, manger un délicieux à la marmelade, exactement ce dont j'ai besoin. Ok. Je suis d'accord, moi aussi j'ai envie d'engloutir mes goodies. Regardez comme mes yeux sont grands! Alex, qu'est-ce que t'attends? J'ai mangé des yeux moi-même. Et alors, je peux gérer ma propre pile de goodies. Oh. Pourquoi ne pas partager avec moi? Moi aussi, nous sommes des amis. Les filles, ne faites même pas des efforts. Je ne donne rien à personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois trop bien. Ah, Alex avec les yeux. Pourquoi tout le monde est atteint de friandises si j'ai qu'une part de chocolat Twix? J'espère que c'est moins très bon. Hé, hey, je suis pas une poubelle à jeter sur moi. De quoi te plains-tu? Tu te comportes comme une petite fille. J'ai une idée pour diviser une barre de chocolat en plusieurs morceaux savoureux. Une scie m'aidera à le faire. J'espère qu'Alex ne pleurera pas à nouveau. Pense à Twix. Ne nous fais pas de mal avec Ceci. Je n'ai pas besoin de vous, Ceci, pour la part de chocolat. C'est fait. Comme c'est bon. C'est le Twix le plus savoureux que j'ai jamais mangé. C'est mon tour de manger du chocolat. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser des papiers d'emballage. Je connais un moyen magique de le faire. C'est bon, j'aime bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Et vous savez ce qui est parfait avec le chocolat? Du lait! Oi! Pourquoi tout me saute à la figure? C'est une combinaison vraiment magnifique. Lait au chocolat, Twix, un vrai paradis du chocolat. Je ne veux surtout pas manquer de chocolat. Qu'est-ce que vous regardez? Alex, tu peux aussi très bien commencer à manger. Je viens de penser à une idée géniale. Les chocolats sont délicieux, mais bien sûr ennuyeux. C'est beaucoup plus cool de construire une énorme tour avec eux.
Le Nutella serait un super élément de liaison. Wow, Alex, nous ne savions pas que tu pouvais construire une telle tour. Bien sûr que je peux. Je peux faire plus que ça. J'espère que cette tour battra une sorte de record. Je veux même que tout le monde le sache. Mais c'est tellement délicieux. Ne ferions mieux de la manger. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la tour tremble-t-elle? Oh! Alex, nous sommes désolés. C'est juste que les chocolats sont délicieux. C'est bon, le casque m'a sauvé. C'est quand même dommage pour la tour. Waouh, il y a toute une montagne de chips là-dedans. Et tout à moi. Oui. Vous avez beaucoup de chips et j'ai une toute petite chips. Je n'arrive même pas à bien les regarder. Je ne peux pas la faire avec une loupe. L'échantillon a l'air très appétissant. Je crois que j'ai un exemplaire très bon. Je vais devoir le tester de manière empirique. C'est bon et aussi très très petit. Alex, ton tour. Enfin, j'étais sur le point d'avoir très faim. Mais qui ferme les chips comme ça? J'arrivais pas à ouvrir. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je vais vous montrer en cours de maître. Vous allez découvrir comment manger des chips. Hop! C'est fait! C'est... bon. Oui! Ces chips sont tellement cool! C'est enfin mon tour de manger ce miam miam. Hé! Fais attention! Ça fait mal! Désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire. Les chips sont trop bonnes. Ouais, ça me fait mal, arrêtez! Mon casque me sauve. Je peux à peine sentir les coups. Mais je sais comment nous pouvons lui donner une leçon. Tout ce que nous avons à faire, c'est de désarmer ce château de chips avec une machine. C'est délicieux, mais c'est vraiment difficile. Pas le brocoli! Quelle sorte de graine bizarre est-ce que j'ai reçue? Le goût est tout simplement dégoûtant. Mais je pense que je sais quoi faire avec. Si je plante une graine et que j'en prends soin, il se transformera en quelque chose de délicieux. Tu plantes et on souffre. Arrêtez de pleurnicher. Combien de temps je dois attendre pour que ça pousse? Qu'est-ce que je dois attendre? Pourquoi vous attendez? Vous avez le temps de vous occuper de votre brocoli. Bien que leur vue me rend malade. Oh, c'est comme un chat dans ma bouche. Ça pue. Cela a besoin de quelque chose de boire. Tiens, j'ai juste besoin d'eau pour arroser la graine. Les gars, il se passe quelque chose. Ça secoue. J'espère que c'est sans danger. Julie a fait pousser ses propres brocolis. Oui, c'est une sacrée récolte. Maintenant, tu vas devoir tout manger. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, c'est bon? Non. Et arrête de rire. Vraiment, arrêtez de vous moquer de moi. Mais là, maintenant, c'est ton tour. Non, je ne veux pas manger tout un tas de brocolis. Peut-être que je peux m'en débarrasser. Regardez, il y a un Mickey Mouse. Ouh, comme vous êtes naïve. Maintenant, il faut se débarrasser de tous les brocolis. Stop! Tu penses que t'es la plus intelligente? Non. Oh, je vais attraper tous les brocolis juste pour toi. J'ai tout mangé.
Voilà, c'est ce que t'as jeté. Je pensais que nous étions amis. Les amis ne se trompent pas entre eux. Alors, bon appétit.